Gazoduc Nigeria-Algérie, le ministre des Finances rassure. Le projet du gazoduc transsaharien qui devrait relier le Nigeria à l'Algérie pour ensuite s'étendre à l'Europe est au cœur d'une bataille qui fait rage entre l'Algérie et le Maroc. Cependant, l'Algérie a fait un grand pas dans cette bataille puisque c'est son projet qui est le plus viable à court terme. En effet, le pays a reçu un soutien de taille avec la Banque africaine de développement qui a annoncé son intention de participer au financement du projet. Réagissant aux déclarations du président de la BAD, le ministre algérien des Finances, Laziz Faïd, a affirmé que le gazoduc est un projet viable économiquement, soutenable et rentable. Les sources de son financement ne peuvent être que bancaires essentiellement, et on n'exclut pas que la BAD y participe. Il a expliqué que les récentes déclarations du directeur de la BAD vont dans le bon sens pour l'Algérie. Le ministre algérien a ajouté qu'il n'y a pas de raison, d'ailleurs, pour ne pas soutenir un projet viable et rentable. Pour le ministre, l'Algérie est partie sur de bonnes bases. Le pays est au stade d'examen de ce méga projet dans toutes ses dimensions et choisir le mode de financement.